Et salut tout le monde, ici le Chiplayer et bienvenue dans un tout nouveau Let's Play donc consacré comme vous pouvez le voir donc à Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble. Alors c'est le troisième opus donc de la saga Donkey Kong donc toujours sorti en 96, je vais y arriver. Et développé par nos amis de chez Rareware. Bon ben l'écran de démo vous spoil un peu quelques nouveautés de cet opus hein, malheureusement, mais c'est pas grave. Oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas consacré à Donkey Kong, puisque je rappelle que j'avais fait Donkey Kong Country 1 et le 2. Entre le début de mon activité en fait, ça remonte au début de mes let's play en 2011. Et j'avais pas fait le 3 parce que, bon, si vous vous souvenez un petit peu, pour ceux qui avaient suivi, surtout le let's play de Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, où l'émulateur ZSNES m'avait causé énormément de soucis parce que cet émulateur causait des tas de bugs, des bugs incroyables qui venaient même pas du jeu en fait, qui étaient vraiment causés par l'émulateur, si vous voulez. Donc c'est pour ça que ce jeu je l'avais jamais fait, parce que bah déjà faut reconnaître que c'est quand même celui de la trilogie que j'aime le moins personnellement, mais il est quand même sympathique donc puisque je cherchais un petit peu de contenu à faire, et bah pourquoi pas faire celui-là quand même après tout. Donc du coup on va pas tarder à commencer, je vais appuyer sur un bouton et ça me met directement au menu. Donc déjà première chose qu'on va faire, on va mettre le jeu en français, ça sera mieux. Et on va pas te copier ni écraser hein. On va sélectionner la première partie. Alors comme d'habitude on peut jouer soit à un joueur, soit à deux joueurs qui jouent en coopération, soit à deux joueurs l'un contre l'autre. Ça n'a pas changé, et ce qui n'a pas changé non plus c'est que je suis tout seul. Donc bah, on va jouer à un joueur. Et ensuite il faut rentrer un nom, et on a droit à combien de caractères? Je dirais 5 comme ça à vue de nez. Alors je vais l'écrire comme ça. Ouais c'est ça. On va mettre le P. J'avais pas remarqué quel compte ça reprenait à la lettre qu'on avait rentré. Voilà, je vais mettre comme ça. On comprendra quoi qu'est-ce. Ok, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve sur cette espèce de... D'accord, elle nage toute seule. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit contrôlé automatiquement, mais c'est pas grave. Bonjour, c'est moi, je suis Madame Winkly Kong. L'enseignement est infernal depuis que les Kremlings ne font que tourner en bourrique. Si tu décides de désir sauvegarder à ton aventure, n'hésite pas à me le demander. Je me ferai un plaisir d'immortaliser tes exploits sur ma machine. Voilà, c'est parti, la première sauvegarde est déjà faite. Voilà, donc 0 minute, 0%. 0 pièces déca, 0 pièces argentées, je dirais c'est les pièces ours. Les pièces B, il y en a 0. Et les osios, il y en a 0. Et il y a 8 cases avec des points d'interrogation. Quoi? Tu veux voir le monde perdu? C'est sur quelle chaîne? Ouais, c'est ça. Bon, moi, on a quand même un point de sauvegarde accessible dès le départ du jeu. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Le Drugstore de Bazar. Alors, attention, une nouveauté du jeu. Les ours. Bonjour à toi, jeune Dixie. Mon nom est Bazar et voici mon noble établissement. Tous mes frères sont sur chacune des îles. Si jamais tu les croises, fais-leur un petit bonjour. Dans ce cas, que puis-je faire pour toi? Alors, apparemment... Voilà, on peut sélectionner apparemment, j'ai déjà fait le jeu, donc je devrais le savoir normalement. Hein. Enfin, je dis ça, mais ce jeu, je l'ai découvert que récemment. J'ai découvert il y a 5 ans quand j'ai commencé à faire de l'émulation. Hein. Sinon, je le connaissais pas. Hein. Faut savoir qu'à l'époque, Donkey Kong Country 2 et 3, je les ai pas connus en fait. Donc alors, on peut choisir le coquillage qui est le truc jaune juste au-dessus de Dixie là. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a Dixie hein, au passage. C'est vrai que le jeu est très évasif concernant son scénario. Alors, reste un miroir le truc à côté. Pas aujourd'hui, ouais, bon, on va sélectionner les coquillages. Ce coquillage vient du fond du lac Orangatanga. Il est très rare. Il coûte 5 pièces. Hé hey, on a le temps de lire, merci. Alors, il est très rare. Il coûte 5 pièces bananes. C'est une affaire.
Veux-tu acheter ce magnifique objet d'art? Bah vu que j'en ai attends, c'est... J'ai dit pièce ours. Bah attends, tu me dis pièce banane, mais je suis désolé, moi c'est on dirait une tête d'ours hein, sur le dessin de la pièce. Je voudrais rien dire, hein, mais... Donc du coup, bah ça va pas non. Tu n'en veux pas? Alors quelqu'un d'autre l'aura. Ou pas. Est-ce un miroir? Oui, mais il est spécial. Il a appartenu à l'arrière-grand-père de Cranky. Pour 50 pièces, il est à toi. Veux-tu faire l'acquisition de cette précieuse relique? Tu ne veux pas? Si tu ne l'achètes pas, un autre le fera. Ouais, bah c'est tout, on s'en va. Ça m'a fait plaisir de faire affaire avec toi. Ouais, sauf que j'ai rien acheté, donc... Raté! C'est le fail, fail! Bon alors, du coup, donc il nous reste plus qu'à aller par là, les locations de Funky Kong. Alors, juste quand même comme ça au passage, donc le scénario du jeu. Si vous vous souvenez, dans Donkey Kong Country 1, bon, c'était Carole avait piqué les bananes de Donkey Diddy, donc Donkey Diddy était parti l'affronter. Ensuite, dans le 2, Carole avait kidnappé Donkey, et cette fois-ci, Carole a kidnappé Donkey Diddy. Tu parles d'une inventivité. Yo, Dixie, ça roule ma poule? Maintenant, j'ai un super commerce de bateau, mais ce n'est pas tout. J'ai aussi ramené ton méga cousin Kiddy Kong. Il apprend encore à marcher, mais si tu le laisses te lancer, il te fera décoller. Et si tu le lances, son corps pourra défoncer le sol. Ah bah dis donc. Alors on peut soit s'en aller, soit prendre le hors-bord. Allez, à ciao Kong. Voilà, donc nous avons le hors-bord. Alors évidemment, avec le hors-bord... Par contre, il y a... Attends, je peux pas accélérer parce qu'il va franchement pas vite là. Je me souvenais pas que c'était aussi lent, quoi. Donc on peut pas passer ces trucs là, hein. On ne peut pas passer là. On peut pas non plus là ici, si on va à gauche on rentre chez Funky, hein. On peut pas non plus monter par ici. Donc pour l'instant on est bloqué dans cette partie de la map. Et le seul chemin possible c'est aller par là, là où il y a le drapeau avec un K. Là voilà, faut appuyer sur B pour le faire quitter le bateau. Donc direction le lac Orangatanga. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans la sous-map avec le premier niveau, le péril du lac. Et c'est parti. Voilà, donc le contrôle de Dixie. Donc vous avez compris qu'on n'aura pas Diddy du coup. On n'aura ni Donkey ni Diddy durant le jeu. Donc nos deux personnages sont cette fois-ci Dixie et Kiddy Kong. Donc Kiddy Kong c'est le nouveau personnage. Alors Dixie, on a toujours les mêmes mouvements, on peut planer comme ça, on peut donner des coups de queue. Pas d'allusion s'il vous plaît. On peut toujours, voilà, porter les singes et les... Et non, voilà, c'est le balancer avec Y, je me souvenais déjà plus des touches. Reviens, reviens. Donc sinon, ça reste à peu près pareil. Et on peut utiliser... Regardez, l'animation d'ailleurs, elle est assez marrante. Regardez, l'animation quand je change à Kiddy. Ouais, dégage, je derrière. Alors, bah Kiddy, c'est un peu... Disons qu'il y a certaines parties du gameplay de Kiddy qui font un peu penser à Donkey. Donc cette roulade, notamment. Et sinon, bon, rien de bien transcendant. Bon, il peut pas planer, ni rien. Donc je vais reprendre Dixie quand même. Elle est plus souple. Bah, sinon tout pareil. Toujours les tonneaux. Les rats. Et le fait que si je me fais toucher, mon deuxième personnage se barre et je prendrai le contrôle de l'autre. Là le tonneau des cas, hein. C'est toujours le même principe. Alors voilà la gueule des Kremlings aujourd'hui. Donc voilà, on va remarquer que les bananes forment un A. Et il y a un tonneau en dessous. Donc ces tonneaux avec un B dessus sont les tonneaux bonus. Donc facile à détecter. Donc ici il faut lancer Kiddy comme ça en appuyant sur O en même temps. Sauf que je sais pas pourquoi mais il s'est remis. Mais arrête de te raccrocher à Dixie, espèce de con. Mais pourquoi tu fais ça? Nanana, raté, raté. Mais c'est dingue ça. Alors oui, au passage, j'avais parlé du fait que... Mais pourquoi ça? Ah d'accord. En fait, fallait... Ok, donc en fait, fallait rappuyer sur bas pendant qu'il était en l'air pour qu'il s'écrase sur le sol. Allez, c'est parti. Allez, collectez 50 étoiles. Bon, ça va aller assez vite. Non. Ok, faut sauter. Faut sauter en appuyant sur bas pour se décrocher de ses cordes. Alors je pense que là il y a le nombre exact hein, donc. Oh la merde, quel con. Voilà, j'ai qu'à faire planer, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc cette fois-ci on ne récupère plus des pièces crème mais des pièces B, tout simplement. Ah, ce qu'on vient de voir en bas, c'est une nouveauté du jeu.
Donc les pièces DECA sont toujours existantes dans le jeu. Sauf qu'en fait elles traînent plus dans la nature. C'est en fait dans tous les niveaux vous avez une espèce de bestiole comme ça. Et il faut, regardez, ça peut vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Ça anticipe tous nos mouvements, ce truc est imbattable. La seule solution en fait, parce que regardez là, on me donne des tonneaux en fer qui d'ailleurs repop tout seul. Vous voyez que si je le balance en pleine face, ça ne marche pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est le toucher avec ses tonneaux dans son dos. Le seul problème, c'est comme il anticipe tous nos mouvements, on ne peut pas se placer derrière et lancer le tonneau. En fait, la solution, c'est de faire rebondir le tonneau sur un mur de sorte à ce qu'on soit toujours d'un côté tandis que le tonneau lui arrive dans son dos en fait. Donc ici évidemment, c'est très facile puisque c'est le premier niveau, mais dans d'autres niveaux, ce sera une autre affaire. Je vais quand même reprendre ça parce que je vais peut-être tuer un ennemi ou deux. Voilà, c'est de là par exemple. Ouais, est-ce que je peux remonter dessus comme dans Donkey Kong Country 1? Putain, ça roule tellement vite aussi. Faut anticiper. Attends, faut. D'accord, le truc, je l'ai fait disparaître du scrolling, mais c'est pas grave. Enfin bon. Oh, attention. Mais merde, putain, va te faire. Non, mais je rêve. Bon, le tonneau de sauvegarde qui fait un petit bum, une petite zic. Un petit jingle. Et on peut, voilà, sauter. Et passer dans l'eau. Ça c'est une nouveauté aussi parce que dans les deux précédents, soit on était sur terre, soit dans l'eau, mais il n'y avait pas de niveau où on pouvait changer de l'un à l'autre quoi. Ah merde, je vais encore me faire toucher. Non c'est bon. J'ai réussi à sauver les meubles. Donc évidemment je ramasse les lettres Kong, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous voyez bien que le système des lettres Kong c'est le même. Alors on va refaire pareil. Hop. Non, je voulais pas faire ça. Ah, pourquoi ça? Non mais c'est quoi ce délire? Ah mais pourquoi ça fait ça? Reviens toi. En plus le pire c'est qu'il faut aller le chercher quand ça arrive ça. Oh non, me dis pas que je peux pas remonter, quel con. Je peux pas remonter. Ah si, je peux, quel con. Je peux remonter. Wouhou. Voilà, comme ça. En lançant son personnage, ça marche très bien. Mais pourquoi, diable, est-ce que ça fait ça? Quoi? Ah d'accord, fallait passer par là. D'accord. Allez, deuxième passage secret du jeu. Il y en a deux par niveau au passage. 15 bananes vertes à attraper. Voilà, les bananes vertes pop au hasard. Et bien sûr, on est timé, hein, vous l'avez vu. Ça n'a pas changé par rapport à l'opus précédent. Merde. Allez, restez en bas. Grouille-toi, ça commence à devenir un peu chaud du slip là. Bon, ça va. Enfin. Faut quand même que je pense au fait que le timer reste actif jusqu'à ce que j'ai chopé le jeton. Ne pas l'oublier. Alors, ici, le système des montures est toujours là, bien sûr. Et on a ici une nouvelle monture. C'est l'éléphant dont j'ai oublié le nom, désolé. Alors, l'éléphant, quelle capacité il a? Faut juste que je me rappelle les touches. Est-ce qu'on peut... Ah, en fait, voilà. On peut choper les tonneaux, bien sûr, avec... Voilà. Alors désolé si je vous expliquais. J'essaye de vous expliquer un tas de choses à l'arrache, hein, mais vous me connaissez. Hein. Ah bah voilà. Perte de l'éléphant déjà. Ah voilà, ça c'est le mât de fin du niveau. Il y avait un régime de banane planqué là. Donc bah il n'y a plus qu'à s'accrocher pour valider le niveau. Et de 1. Ah par contre on va pas automatiquement au suivant. Alors... Chose intéressante, regardez maintenant le drapeau, puisque le drapeau n'est plus noir avec un K. En fait, voilà, donc la couleur du drapeau indique le personnage avec lequel on l'a fini, dont rose pour Dixie et bleu pour Kiddy. Le fait que le drapeau, ce même drapeau rose, soit horizontal, indique que j'ai trouvé les deux passages secrets du niveau. Et la petite flamme jaune que vous voyez indique que j'ai trouvé la pièce DK du niveau. C'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple. Donc deuxième niveau, la course caleporte. Avec des cas, vous aurez remarqué, l'humour à la Rareware est toujours là. Et c'est parti. Ah ça on l'a vu dans la démo.
Alors voilà, faut s'accrocher à ces trucs pour bon ouvrir la porte. Désolé, je suis à moitié malade. Ouais, par contre, la musique là, celle-là, bof. Hop, on peut toujours faire ça. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, ça ouvre la porte qui est au-dessus. Ah! En fait, j'ai voulu tester parce que, en fait, je me suis demandé est-ce que c'est un truc qui nous fait passer en dessous. Bah oui. Ah, ça y est. Voilà une des choses que je n'aime pas dans ce jeu. Autant être honnête. Ça, franchement, ça remplace les Zingers, ces trucs-là. Hein. Voilà, donc maintenant, ce sont des robots. Des robots pas franchement très jolis, mais... Je tenais quand même à faire la précision. Hein. Ok, il y a plusieurs chemins, là. Oh, il y a une ville, là, mais... pour choper cette poignée, il va falloir faire du lancer. Normalement... Voilà. Attends, j'ai un petit souci là. Ah non. Je peux pas avoir le temps. Eh non, j'ai pas le temps. Sinon, je vois pas comment ils veulent. Parce que là, une fois que c'est ouvert, ils veulent que je saute là. Mais sans Dixie, c'est pas faisable, regardez. Donc c'est pas grave, on va monter à notre façon. Et c'est parti pour le premier passage secret. Bon, évidemment, dans les premiers niveaux, ils sont assez faciles à trouver, les passages secrets. Hein. Bon, on peut s'accrocher à ça. Ah bah, faut même, ça... j'allais dire on peut, mais il faut s'accrocher à ça pour ouvrir la... Quoi, je peux déjà plus passer? Ah, mais je te jure. C'est pas grave, heureusement, j'ai largement le temps. Voilà. Donc, on a déjà 3 pièces B, ce qui est pas mal. Ça va vite, enfin ça va vite, mais le timer il va vite aussi. Hein. Je vois qu'on est quasiment déjà à 20 minutes, hallucinant. Ah, ils vont plus vite ceux-là. La sauvegarde. Avec une. Un déclencheur de porte, enfin planqué derrière. Eh ? Quel imbécile. Attends, ça déclenche l'ascenseur ou la. C'est louche cette affaire. Non, ça ne doit pas déclencher l'ascenseur puisque là. Désolé, je me souviens plus de ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué. Mais oh, laisse-moi passer. Ah, un tonneau. Regardez quand je vois déjà le délire. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Non, laisse-moi passer. Non, on n'a pas de contrôle sur le tonneau, il tourne tout seul. Au moins. Ici avec cet émulateur là au passage hein, puisque en fait c'est ça que je voulais parler tout à l'heure, j'ai oublié depuis tout à l'heure en fait. C'est donc que l'émulateur n'est plus l'émulateur que j'utilise là, ce n'est plus ZSNES que j'utilisais dans les Let's. Faut aller à gauche ou à droite. Ouais. Mais putain, c'est quoi cette façon de se faire toucher là. Ok, c'est ma première mort, mais c'est pas grave. De toute façon, faut bien un début à tout. Hein. J'aimerais bien finir le niveau pour accéder à la sauvegarde. Parce que bon, remarque, l'avantage c'est que si je dis pas de bêtises, je peux sortir du monde. C'est possible. Et mais si je fais ça, il faudrait que je sorte du monde, que je reprenne le hors-bord, que je repasse par chez Funky pour atteindre la sauvegarde de Winkly qui était disponible au lancement du jeu. Par contre lui forcément il est moins rapide sur les... Je vais aller par là parce que là c'est un bonus. C'est un bonus. Oh mais abusé. C'est quoi cette hitbox de merde. C'est quoi ce délire. Allez, trouvez la pièce. Là c'est pas compliqué. Faut juste avancer et trouver. Wow. D'accord. C'est un fail. Ah bah si je repop là, je peux peut-être le retenter, tiens. Mais en fait voilà. Ça en fait le truc c'est que en fait ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon c'était déjà le cas dans le 2. Mais sauter c'est B et planer c'est avec Y. Sauf que moi là
J'ai un peu de mauvais réflexe, là j'ai le réflexe d'essayer de planer avec la touche B justement. Ce qui fait que bah je me vautre comme une merde. C'est vraiment un coup à reprendre ça. Bah. C'est-à-dire qu'avec tous les autres jeux du monde, c'est tellement plus pratique, c'est tellement habituel que dans tous les autres jeux du monde, c'est la touche du saut qui sert à planer. Donc notamment les Ratchet & Clank par exemple. Bah que du coup ça fait bizarre quand on est dans Donkey Kong Country qu'il faut planer qu'il faut changer de touche pour planer quoi. J'en avais pas plus que ça. Wow, il reste pas là, quel con. Là on arrive sur la fin hein, du niveau. Ah bien qu'on en écho. Mais pour. Attends, je sais pas, il se passe des choses étranges. Oula, ça va être chaud là. Mais merde, va te faire. J'ai mauvais timing. Voilà, impeccable. Là c'était impeccable le timing. Allez, accroche-toi. Voilà. Ah, oh, une seconde. Ah d'accord. Oula, ça va être hard là. Quoique en fait pas tellement. Voilà. Ok, on est bon. Non, je pense que j'ai plus besoin de ça. Ah, oh, le rattrape, en route. Cool. Eh merde, la vie. Enfin la double vie même, puisque c'est un c'était un ballon vert. Le ballon vert vaut 2 vies. Hein. Le ballon rouge en vaut 1 et il y a des ballons bleus qui en valent 5. Si je me trompe pas. Allez, sauvegarde au Winkly accessible. Donc on va sauvegarder en vitesse. Si tu croises Cranky, dis-lui qu'il me doit encore de l'argent des courses. Désires-tu sauvegarder cette aventure? Ouais, sauvegarder. Cool. 4% et il y a 10 minutes in-game. Oh putain. Moi j'ai le cœur sur la main, quoi! Par contre, c'est un peu long à recharger le... quand on s'en va. Allez, donc on se retrouve à nager. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est quand on est dans l'eau, on est libre. Donc, par exemple, je peux aller là. L'île de Barnac, là. Là, c'est un des autres ours. Bien le bonjour, Dixie! Moi c'est Barnacle, je me suis installé ici pour faire collection de coquillages. J'étais jadis un scaphandrier, mais j'ai préféré venir me la couler douce par ici. Ok, donc coquillage ça sert hein. Si vous vous souvenez, chez Bazar il y en avait un de coquillage, bah faut lui acheter le coquillage et le ramener ici. Oui, il y a une sorte de... C'est non seulement un jeu de plateforme, mais il y a un petit peu quelques quêtes comme ça dans ce jeu. Allez, mortel marée, donc on a le temps de tenter ce niveau. Ok, pourquoi le truc Eh d'accord, il est là dès le départ. En fait là faut trouver le moyen de monter là. Et on a besoin d'un petit Kiddy pour ça. On a besoin de... Ah, j'ai besoin de Kiddy pour... Ok. C'est fail. Alors quand même, aussi au passage, pendant que je cherche un Kiddy pour monter là-haut, de toute façon c'est même indiqué par les bananes qui forment un A. Non, tu mourras pas deux fois, mais... Je sais pas, quand j'essaye d'avancer ou de reculer, il y a une espèce de timing bizarre. C'est vraiment parce que j'ai plus l'habitude, je pense. C'est pas un défaut du jeu, à mon avis, c'est plus un manque d'habitude. Je crois qu'il y a un courant contraire, non? Ouais, il y a un courant contraire, j'avais raison. Ah, voilà mon tonneau. Ouais, par contre, j'aimerais bien sauter sur la plateforme. Putain, mais pourquoi j'y arrive pas? Ok, mais c'est quoi ce what the fuck? Voilà! Je n'en demandais pas tant! Alors, oui, au passage, alors, pour en finir là-dessus, parce que je voulais en parler au début de la vidéo, mais en fait, j'ai totalement zappé, c'est pas grave. Alors, vous, évidemment, si vous suivez un peu l'activité de la chaîne, normalement, il devait avoir le let's play de Ape Escape 3 qui devait commencer aujourd'hui. Non, c'est dans l'autre sens, c'est Kiddy qui doit lancer et pas l'inverse. Oui, parce que comme Kiddy est lourd, Dixie peut pas le lancer à cette hauteur, hein, c'est impossible. Voilà. Allez, viens dans le tonneau.
Et dans le et dans la façon de le prendre. Et voilà. Troisième pièce déca du jeu. Donc alors le let's play de Epescape 3, malheureusement, il ne pourra pas se faire. Enfin du moins pas pour l'instant. Pour une raison toute bête, c'est que l'exemplaire du jeu que j'ai ne fonctionne pas. Enfin il fonctionnait, c'est à dire que c'est compliqué en fait. Je l'avais commandé sur internet à Price Minister, donc qui vendait. Alors attention, des tonneaux vivants. Oui, le tonneau est vivant, il a même disparu. Les tonneaux sont vivants dans ce jeu. Alors voilà. Bon lui il se contente juste de nous, voilà, il se contente juste de nous rentrer dedans, il fait que nous pousser. Il est inoffensif entre guillemets. Et il faut, voilà, lui sauter dessus. Et une fois que j'ai sauté dessus, je peux le balancer comme un tonneau normal. Mais attention, il y aura d'autres versions de ce des tonneaux vivants. Hein. Il y en aura d'autres. Hein, qui seront un petit peu plus dangereux. Regardez, n'empêche, mine de... Merde, quel con, pourquoi j'ai appuyé? Une remarque quand même sur le fond du jeu. Oh putain, il y a un bonus là derrière. Regardez quand même regardez un petit peu les graphismes du jeu. J'ai parlé un petit peu de la musique tout à l'heure, vite fait, quoique cette musique-là est encore assez sympa. Mais regardez-moi le background, quoi. Ouais, franchement, c'est joli, hein. 96 Super Nintendo, je rappelle, hein. Voilà, je m'en doutais que j'allais me faire avoir. À mon avis, là, faut arriver avec deux personnages et en sacrifier, hein. C'est plus simple. Ah, j'ai même pas atteint la sauvegarde. Heureusement, ça, il n'y a pas à le refaire, hein. Regardez, vous voyez que son bouclier, il est vide. Ça aura déjà un peu de temps d'économiser, j'aurais pas à refaire l'aller-retour. Attention. Allez. Alors refla le tonneau vivant. Hop. Je vais l'utiliser pour tuer l'autre, tiens. Raté. Quoique. Là ça a marché quand même. Si ça a marché. Wow wow wow, j'ai un peu merdouillé. Putain, il est déjà revenu. Bah c'est quoi ça? Attends, faut pas que je m'en serve ça. Non, dégage. Putain, mais c'est incroyable, on part de à sauter de l'eau, quoi. On a l'air con, quoi. Et puis en plus, le tonneau revient à chaque fois. Sinon, c'est pas drôle. Ah putain, j'aurais pu l'utiliser pour gagner de la hauteur, là. Putain, pourquoi j'arrive pas à ressauter? Mais c'est pas compliqué, merde! En fait, j'ai l'impression qu'il faut un timing de ouf, quoi, pour y arriver! Non, mais allez, bordel! Va te faire! Putain, c'est quand même pas compliqué! Donc, alors, ce truc-là, c'est. Voilà, y a toujours la mécanique de se transformer en une monture. Et là, c'est en garde l'espadon. En garde l'espadon qui d'ailleurs est le seul et unique survivant du premier Donkey Kong, hein, au passage. Et bon, le contrôle est toujours le même, on peut toujours faire ça. Tiens, crève. Voilà, ça vous apprendra, je vais me venger sur les poissons qui m'ont tué tout à l'heure, là. Par contre, je peux pas sauter hors de l'eau. Voilà, on a atteint le bonus. Il faut collecter 30 étoiles. Voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça. Mais pourquoi je peux pas remonter? Je sais pas, il y a eu une espèce de bug, j'avais beau appuyer sur O. Voilà, 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 là j'appuie sur bas, je peux pas descendre. What the bug? Voilà, je repop dans ce tonneau là et on élimine en garde. Par contre, est-ce que je peux sauter là? Oui. Mais utilité. Zéro, je dirais. Enfin, à part choper quelques bananes, vite fait. Et voilà le tonneau de sauvegarde. Et je vois que j'ai dépassé les 30 minutes. Bon, c'est pas grave. Par contre, attention ici. Il va falloir la jouer subtil pour passer. Oh putain! C'est pas passé loin. Donc oui, donc pour expliquer sur Epescape 3 ce qui s'est passé. Attention aux poissons rouges parce qu'ils bougent. Bon, les poissons verts bougeaient pas, mais les rouges, si. Non, on va passer en dessous là.
Faut les sûrement les utiliser. Attends, je vais quand même voir s'il y a quelque chose là. Ouais, bon, j'imagine qu'il y a une bonne raison pour monter. Hein. Sûrement choper une lettre ou une connerie du genre. Ah ! Voilà. Et à mon avis, il faut sûrement taper le pigeon, là. Enfin, c'est pas un pigeon, mais... Ça nous aura permis de choper une lettre, donc on est bien pas venu ici pour rien. Merde ! Putain, il y a un bonus, là. Je fais comment pour l'avoir, lui ? Bah, faudra que tu m'expliques, hein, parce que le mystère, hein. Bon, tant pis, on va continuer, tant pis pour ce bonus. Oh, c'est un peu chaud, là. Oh, c'est bon, ça passe. Nickel. Oh, putain, la lettre. Oh, la lettre, facile. Hop, comme ça. Je me suis posé des questions pour rien. Et toi, tu vas crever. Voilà. Niveau terminé. Voilà, donc prochain niveau, ce sera le chahut de Skida. Ok, allez, ah là vous voyez, regardez, voilà, voilà vous voyez, là le drapeau bleu donc qui indique que Kiddy a fini le niveau, il est, bah il pend, il est vers le bas parce que je n'ai trouvé qu'un seul des deux passages secrets du niveau. Donc on va retourner sauvegarder, et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Regarde Eldor, je pense qu'elle serait d'accord pour qu'on sauvegarde notre aventure. Là, vous voyez, les scènes changent à chaque fois, en fait. Hein. Il y a un certain nombre de scènes, donc on a 5% du jeu. Donc oui, le let's play, enfin, si je change d'avis, je pense pas le faire à 100%, enfin, en sachant même que c'est plus que 100%. Pardon. Ah, bref, donc pour en finir vite fait sur Epescape 3... Donc en fait le disque, j'avais commandé le jeu d'occasion, j'avais eu le disque qui était très rayé, mais vraiment beaucoup quoi. Hein, le, je signale quand même que le, mon vendeur, qui se dit professionnel, hein, avait déclaré que le jeu, enfin déclaré sur son annonce que le jeu était en bon état, en excellent état. Bah tu parles d'un excellent état. Évidemment j'étais un peu têtu, j'ai voulu essayer de le mettre dans la console quand même, il marchait. Sauf que en fait la cinématique, la cinématique d'introduction en fait buguait tellement qu'en fait valait mieux la passer quoi. Mais on pouvait jouer à tout le reste du jeu, quoi. Et là, j'ai fait réparer le disque, donc je suis allé au magasin de cash où j'ai l'habitude d'aller. Ils ont les fameuses machines à dérayer les CD. Donc, en fait, une fois que j'avais réparé, j'avais donc repris la sauvegarde qui existait déjà du jeu. Et donc du coup j'ai fini le jeu, il marchait mieux, pas de problème. Sauf qu'en fait, bah, maintenant que je veux faire un let's play dessus, bah, faut bien refaire une nouvelle partie forcément. Et le truc c'est qu'en fait, la cinématique d'intro c'est encore pire parce qu'elle se charge même plus. Et comme elle se charge pas, bah, c'est impossible de la passer. Et donc du coup, bah, on est bloqué. C'est génial. Enfin bref, donc voilà où on en est, hein. Donc je ne peux techniquement pas faire le let's play d'Epescape 3 actuellement. Donc en fait il faut que je trouve un autre exemplaire du jeu, mais on va dire qu'en ce moment déjà c'est très dur à trouver les Epescape, hein, faut le savoir. Et puis voilà, le budget en ce moment fait que je ne peux pas trop me permettre ce genre d'écart actuellement. Donc voilà pourquoi j'ai démarré directement ce Donkey Kong Country 3, alors que normalement j'aurais dû le faire après Epescape 3, mais bon, au moins ça permet de vous proposer quelque chose. Donc enfin bref, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Troubles. C'est Dixie Kong's Double Trouble. J'ai du mal avec l'anglais. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on va s'arrêter ici. Je vous dis ciao. Ouais. Lol, je vous dis ciao. Et à la prochaine !